avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie. Yo, mon chemin déjà tracé, avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie. Yo, mon chemin déjà tracé, Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je m'étais, je marcherai, j'avancerai, je réussirai et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce, je m'étais, je marcherai, j'avancerai, je réussirai et les gens le verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Finger music. La vie est un livre, à chacun d'écrit sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au tréfonds de toi. Et pour ma part, je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai et je réussirai et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Wow. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grade tout protocole observé, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de prendre la parole en ce jour solennel de l'inauguration de ce centre de formation IFAD Bâtiment pour souhaiter à vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, la très cordiale et chaleureuse bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce nouveau projet de l'Institut de formation en alternance pour le développement est initié pour accompagner le plan national de développement. La mission principale de l'Institut est de former les jeunes capables de s'intégrer immédiatement dans la vie active et de s'adapter aux différentes évolutions de leur secteur d'activité. To allow them to participate, if it depends, I can ask them to work in pairs. In pairs, yes. So after that, they will learn throughout the video how to pronounce the names of the tools. The pronunciation also is learned throughout the video. And I'm very glad to use this technology to teach those two trainees what I have to teach them. And it is with humility that I would like to thank you for this great Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné, cette force qui jaillit de sa fragilité finit par te m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, même si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien la divine amie. Des visages et des sourires,
c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous dévisage, nous sauver. L'événement qui nous réunit ce jour sur le site de l'IFAD, bâtiment de Lomé, est à forte charge, en ce sens qu'il a une réponse aux grands défis du secteur éducatif et particulièrement de la formation professionnelle. Cette cérémonie s'inscrit également dans la dynamique des réformes sectorielles de l'éducation, appelant à un mariage de raison entre l'école et l'entreprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le souci d'accélérer la réalisation de ces réformes et de prioriser les secteurs socio-économiques jugés porteurs, dans un Togo qui se voudrait le centre de promotion et de valorisation du secteur privé et de réforme du climat des affaires, l'Agence Éducation-Développement a été créée sous votre leadership afin de donner corps et vie aux IFAD dont les missions et les objectifs ont été magistralement su rappeler. Monsieur le Président de la République, vous rassurant sur les recentrages en cours et à venir du secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat, je voudrais, au nom du sous-secteur de l'éducation et en mon nom personnel, m'acquitter de l'agréable devoir de vous exprimer toute notre gratitude. De même, nous voudrions particulièrement remercier Madame le Président du Conseil d'administration et le Directeur général de l'AED, ainsi que celles et ceux qui, par leur connaissance des hommes, des couloirs et des technologies, ont rendu possible cette manifestation. Excellence, Monsieur le Président de la République, quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Les IFAD doivent ainsi devenir pour notre jeunesse, pour toutes et pour tous ceux, et pour tous une chance d'apprendre et une chance d'être en contact avec le monde professionnel. Avec les IFAD et par les IFAD, nous bâtissons le Togo d'aujourd'hui et de demain. Un Togo épris de progrès, d'innovation, d'agilité et d'égalité devant les problématiques de la formation, de l'employabilité et du chômage. Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers cette cérémonie des IFAD, vous nous donnez simplement l'envie et la force de révolutionner le secteur éducatif togolais. Que les IFAD fassent florès. Je vous remercie. Entre les IFAD et d'autres centres de formation qui y avaient
dès que l'interconnexion des IFAP sera possible. L'environnement numérique de travail permet également la remontée des informations au niveau de l'ARD en vue de lui permettre d'assurer le suivi et la gouvernance des IFAP. L'opportunité de la création de l'IFAP bâtiment n'est plus à démontrer, eu égard aux grands enjeux du secteur et aux préoccupations des responsables de la formation professionnelle d'améliorer les niveaux de compétences des acteurs.